Good morning. Allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, la Lunishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Lucien Matraina, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Nedarim, Père Kalef, Mishnah Dalet. Areini Nazir, que c'est Ar Roshi, veche Afar Aretz, ou que Cholayam. Areize Nazir Olam, ou Megaleach Achat les Shloshim Yom. Rabbi Omer, enze megaleach achat le 30 yom. Vezeo shemegaleach achat le 30 yom. Aomer are alai nezirut kese ar roshi. Ou ke afar aretz. Ou ke cholayam. Ce qu'on va faire, on va faire deux choses. On va d'abord rappeler un principe du nazir olam, une différence fondamentale avec le nazir, expliquer le principe général. Après, on lui en traduit d'abord toute la Mishnah et après on explique. Ok? Deux choses. On a Nazir Olam et Stam Nazir. Un Nazir, il prend sur lui d'être Nazir pendant 30 jours. Maintenant, je peux maintenant décider, à cette date, de prendre sur moi 3 Naziroutes. Je vais être 3 fois Nazir. Alors ça signifie que dans ce cas-là, je vais entamer un décompte de 30 jours, j'ai pris 3 Naziroutes. Je n'ai pas pris une Naziroute de 90 jours. J'ai pris 3 Naziroutes, ça veut dire que 3 fois, je vais être Nazir. Je commence une première Naziroute pendant 30 jours. Au bout des 30 jours, je vais au Beth Amikdash. J'avoue qu'en banne, je me rase les cheveux. Je sors du Beth Amikdash et je démarre la nouvelle Naziroute. De nouveau, 30 jours supplémentaires. Et après les 30 jours, de nouveau, donc j'en serai en 60e jour ou plus 59 parce que le même jour, il va compter doublement. Et je reviens en Beth Amikdash, j'offre mes corbanotes, je recommence, je me rase les cheveux et je redémarre de nouveau. Ça, c'est quand j'ai pris 3 Naziroutes. Ok? On avait appris plus haut, ça, c'est quand on reçoit plusieurs Naziroutes. Il y a par ça, on avait appris dans la Mishnah Bet, on avait parlé du Nazir Shimshon, on n'en parle pas de Nazir Shimshon, on va parler cette fois-ci de Nazir Olam. Ça existe quelqu'un qui prend sur lui d'être un Nazir Olam, un Nazir éternel. Quand il prend une Nazirut éternelle, alors là, il y a un statut spécial. C'est pas qu'il va. C'est qu'il va prendre une Nazirut qui va durer éternellement. C'est pas qu'il a pris une Nazirut pendant 5 ans. Celui qui prend une Nazirut pendant 5 ans, il ne se touche pas les cheveux pendant 5 ans, strictement pas, il n'apporte pas de tourban ni rien. Quelqu'un qui prend une Nazirut éternelle, alors, il a une halakha particulière que il devra être éternellement nazir, mais malgré tout, tous les ans, il va au Beth Amikdash, et cette fois-ci, il ne se rase pas complètement la tête, juste, il s'allège un petit peu les cheveux, il diminue un petit peu ses cheveux, avec la lame, il apporte son corban, et il continue. Mais il ne se rase pas à zéro. C'est pas un nazir classique. Ok? Retenez bien donc, il y a, je peux recevoir une très grande quantité de nazirout, et je deviens un nazir selon le nombre de quantités que j'ai reçues. Donc je peux aussi décider de devenir un nazir éternel. C'est clair pour le moment? Maintenant, on va s'intéresser avec quelqu'un qui dit « Arreni nazir kese aroshi ». Je prends sur ma naziroute comme les cheveux qui sont sur ma tête. Or, même si je commence à perdre un peu mes cheveux, franchement, mais j'ai quand même une belle densité de cheveux, ouais. Chaque cheveu, ça veut dire une naziroute. J'ai aucune idée combien on a de cheveux sur la tête. Mais je vais probablement en avoir au moins, je sais pas, au moins si c'est pas plus, comme on dit chez nous. D'accord? J'en ai peut-être 20 000, 30 000, 40 000. Ben, chaque cheveu, ça veut dire que je dois prendre une naziroute sur moi. Donc si j'ai dit, Areini nazir kese aroshi, je prends sur moi une naziroute comme les cheveux de ma tête. Ou encore, veke afar aretz, autant qu'il y a des grains de terre sur la terre. Allez compter les grains de sable. Ou encore, ou kecholayam, comme le grain de terre, ou bien kecholayam, comme le sable qu'il y a dans la mer. Dans tous ces cas, alors, c'est-à-dire que tu as pris sur toi plein de nazirut avec une quantité, en fait, une quantité infinie de nazirut. Mais c'est pas que tu es devenu, alors c'est la question, est-ce que tu es devenu un nazir éternel ou tu as pris une quantité éternelle de nazirut? Et sur ça, on a Tanakama, le premier avis de la Mishnah, qui va me dire, Arez est nazir olam, il a apparemment un statut de nazir éternel, il devra toute sa vie être nazir, mais attention, au mégaler, achat les shloshim yom, tous les 30 jours, il va au Beth Amikdash, il se rase la tête, il apporte le corban, parce que sur toi, t'as pas pris d'être un nazir pour une éternité. T'as pris une éternité de nazirut. Vous comprenez le jeu de mots? C'est pas que tu vas être un nazir pour une durée infinie. T'as pris un nombre infini de nazirut. Un nombre infini de nazirut, ça signifie que tu fais une nazirut plus encore une nazirut et encore une nazirut et encore une nazirut. Tous les 30 jours, tu apportes 3 corbanotes au Beth Amikdash, tu vas au Beth Amikdash, tu traces la tête à zéro, on me fait brûler tes cheveux, tu ressors et tu en redémarres de nouveau, tu ressors ou même sur place même, tu reçois de nouveau une nouvelle naziroute et tu repars pendant 30 jours. Et durant toute ta vie, tu dois faire la même chose, recevoir une naziroute parce que tu as pris une quantité infinie de naziroute. Ok? Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi Omer, Rabbi me dit non,
Dans un cas pareil, il ne va pas se raser les cheveux tous les 30 jours, pas du tout. En fait, allez, je le dis directement, selon Rabbi, il va devenir un nazir olam, quelqu'un qui a pris une nésiroute comme ses cheveux. C'est pas qu'il a pris une quantité de nésiroute comme le nombre de ses cheveux, mais c'est qu'il a pris une seule nésiroute qui va être gigantesque comme le nombre de cheveux ou comme le nombre de sable. Donc en fait, il est devenu nazir olam. C'est pas écrit dans la Mishnah, mais c'est précisé dans le Barthénora, que selon Rabbi, quand tu dis un réni nazir, tu prends sur toi une nésiroute qui va être infinie. Donc tu es devenu un nazir olam, tu prends le statut du nazir olam, que tous les ans tu vas t'alléger les cheveux, comme c'est déduit en Avshalom, le fils de David, il avait été nazir olam aussi, peu importe, enfin, donc il est pris sur lui. Et dans ce cas-là, quel est le type de nazir qui va prendre effectivement un nombre de nésirout infini, qui devra tous les 30 jours partir au Beth Amikdash, je sais pas, tous les ans, à Omer, à Réalai Nézirut, que c'est un Roshi. Celui qui va dire, un nombre de Nézirut, que c'est un Roshi. Un nombre d'unités de Nazir, comme le cheveu que j'ai sur la tête, ou qui est à Fararet, ou comme les grains de sable, les grains de terre, les grains qui sont sur la terre, ou Kecholayam, ou comme le sable de la mer. En fait, donc on a bien compris, plus tellement expliqué. Que concrètement, on a une marque en fait. Vous avez retenu l'idée. Je peux prendre une nésiroute infinie ou un nombre infini de nésiroute. Selon Tanakama, peu importe si tu dis Areni Nazir, que c'est un Roshi, tu vas être Nazir comme les cheveux de ta tête. C'est pas que tu prends une nésiroute comme le nombre de cheveux, mais c'est que tu prends un nombre de nésiroute comme le nombre de cheveux. Donc chaque fois, ça va être une unité qui va te prendre 30 jours. Et selon Rabbi, non. Si tu as dit Areni Nazir, que c'est un Roshi, tu as dit le mot Nazir. Une nésiroute qui va être grande comme le nombre de cheveux, donc tu prends une nésiroute qui va être gigantesque, qui va être donc éternelle, et dans ce cas tu prends le statut de comme Avshalom, que tous les 30 jours, tous les ans tu vas t'alléger au Beth Amikdash et apporter tes korbanot, tandis que si tu veux prendre un nombre infini de nésiroute, il faut que tu dises Arealai nésiroute, je prends sur moi une nésiroute, un nombre de nésiroute qui va être comme le Seharoshi, ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, ça sera comme tout, c'est là.